Bonjour, alors aujourd'hui présenté The Witch House MV, sorti le 31 octobre 2018, développé par Femi et édité par Dungeon Entertainment. Alors ben, c'est un jeu d'horreur fait avec le logiciel RPG Maker, par contre ça c'est la version bien sûr, comme c'est marqué dans le titre, la version MV. Donc ce sera un jeu en 2D, à voir s'il est terrifiant ou pas comme il marque dessus. Il est au prix de 12,49€, il est solo, la manette est complète, il est en français interface et sous-titres. Voilà, écoutez, pas plus pas moins, allons voir si le jeu est intéressant. Et en sachant oui aussi qu'il est... en 4 tiers. Alors moi j'essaierai de voir si je peux le mettre en 16 neuvième en le remontant et si ça fait pas trop moche. Du coup, à tout de suite sur le gameplay. Alors, on saute sur la page d'accueil du jeu. Voilà. Alors, vous voyez, il est en 4 tiers. Je vous laisserai le mot de début pour vous montrer ça en 4 tiers. Et si je peux, je le modifierai. Mais je le garantis rien. Alors, on peut choisir la difficulté, ne peut être modifiée au cours du jeu. Bah écoutez, permet de retenter directement après un game over. Voilà, bah écoutez, vous... T'as tout compris, tu m'as quand même bien capté le jeu. Oui. Alors comme j'ai dit dans notre jeu sur RPG Maker, j'ai toujours essayé d'en faire un mais j'ai jamais réussi. Je trouve que c'est assez compliqué. Alors par contre, voilà, c'est dommage, on peut jouer la manette, mais... Ah oui, j'ai mis la course automatique, je sais pas si c'était une bonne idée finalement. Enfin réveillé. Ah, c'est Salem. Comment on appelle ça? Pour ceux qui connaissent. D'accord. Ah, bah c'est bloqué. De Sabrina. L'apprentie sorcière. Mais l'original, hein. Pas le remake tout moche, là. Sur Netflix en plus. Qui a plus rien à voir pour moi avec la série d'origine. Une lame brouillée au sol. Bah, la prendre. J'imagine. Ou une machette. Super. Alors, les objets ne s'utilisent pas automatiquement. Sélectionnez le menu en face de celui-là. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Comment on fait pour ouvrir le menu? Couper les roses. J'aime pas une réunion. Ok, bon, c'est pas ici. Alors, j'ai mis la course automatique. C'est peut-être pour ça que le personnage allait va un peu vite. Attendez. Pourquoi j'ai trouvé une lettre d'un coup? Aïe. J'ai ouvert le chemin vers la mort. Le chemin est dégagé. La machette s'est brisée. Oh non! Comment je vais faire après? C'est très joli par contre. En plus, c'est un RPG Maker AMV, mais un peu à l'ancienne là, le graphisme. Alors par contre, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc comme ça? Non, parce qu'elle m'énerve en fait. Ah ouais, ouais, vaut mieux parce que ça me gonfle en fait. Allez. Alors, chat noir, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas partir parce que des roses te bloquent le chemin. Ah super, le manoir de Resident Evil. Tu vas y rentrer? Si tu ne peux pas partir, alors autant y aller. Ah. Resident Evil 2. Ou 3. Ou 4. Ou 5. Ou 6. Ou 7. 8. Après, il n'y a plus. Alors. D'accord. D'accord, ok. Ok, ouais, il n'y a pas de souci. J'ai tout pas compris. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fait blouf? Ah, mais faut pas aller dessus. Moi, ok, ouais. Viens dans ma chambre. Et c'est où ta chambre? Bon, on rase. Ah, c'est pas mal. C'était original. Yo, et j'ai rien de mieux à faire, alors j'ai décidé de venir avec toi. Mais sinon, d'où est-ce que tu
puis vient de sortir au juste. Ah oui, il y a un mur. Alors, est-ce qu'on peut regarder des objets? Un bouquet de roses. Bon, par contre, il y a beaucoup de roses. Alors, attendez, je pense qu'on va se prendre des pièges, en fait. Une vieille armoire couverte de poussière, il n'y a rien à l'intérieur. Oh, il y a des ciseaux sur le plan de travail. Mais ils sont attachés. Et bon, on voit la chaîne. Ah, c'est fermé à la clé. Ah, c'est Resident Evil. Ou, comment il s'appelle? Clock Tower, pour ceux qui connaissent. Très bon jeu. Surtout le 3, moi, j'ai joué. Très, alors, techniquement, pas terrible. Mais, j'avais bien aimé la jouabilité. La jouabilité, je veux dire, le système. Il y a un gros ours en peluche dans le panier. Il reste un peu de place. Ça fait peur, là, parce que, il y a des pieds. Et les ours dans le panier. D'accord, il faut mettre un autre ours, quoi. Des fois, il y a des jeux qui sont techniquement pas terribles à la ramasse, mais si l'histoire est bonne, moi ça me gêne pas. Contrairement à certains qui dès qu'il y a un problème, hop, dès qu'ils voient que ça marche pas bien, c'est nul. Ben non, c'est pas nul, c'est juste que tu n'y arrives pas, c'est tout. Alors, une grande horloge, les aiguilles tournent tranquillement. Alors. Bah, quoi que je vous dirais, je le fais aussi, moi, c'est nul, mais. Faut pas le dire ça. Lire. J'étais malade, alors personne ne voulait jouer avec moi. Mon père et ma mère, même eux, ne m'aimaient pas. C'est cool qu'ils aient traduit le jeu. Je crois pas qu'il était traduit à l'époque quand je l'ai quand je l'avais acheté ou reçu, je sais plus. Sauf car la maison retourne à la normale. D'accord. Prendre l'ours en peluche. Ok, ben. Oh. Attendez. Un cadeau à dévaler la montagne. Ok, bon, oui. Il va y avoir des pièges, vous allez voir. Et là, alors on fait hop, hop, hop. Les pattes n'entrent pas. Ah non, me dis pas qu'il faut lui couper le. Faut lui couper les pattes quand même, le pauvre. Et toi, le chat, tu. Ah, le chat, c'est une save, j'avais pas capté. Le chat, c'est une save. Ah, mais comment on fait pour détacher? Qu'est-ce que j'ai sur moi qui pourrait m'aider? Non. Parce qu'à mon avis, le ciseau, c'est pour couper les jambes. Ah, le chat, c'est à sauvegarde. T'es sûr que je peux pas le mettre dedans? Bah, ici, il reste une place. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, les pattes n'entrent pas. Ah. Voilà, fait dung. Par contre, dommage parce que. Vous voyez, c'est pas centré, je trouve. Ah ouais, parce que c'est des carrés en fait. Eh oui, regardez, c'est des carrés, je suis con. À la base. C'est un peu comme un jeu de loi, quoi. Une grande horloge, les aiguilles tournent tranquillement. Ok. Alors, est-ce que c'est par rapport au cadeau, là? Non. Après, je peux pas faire 5 années, je crois. Il y a quelque chose à faire. Ouais, pourquoi tu commences déjà à être perdu, moi? Ça va pas le finir. Pourquoi elle a sonné la horloge? Ah, mais je suis bête. Mais que je suis con. On soit attaché, mais c'est pas. Il faut pas détacher les ciseaux. Faut utiliser le. Ah ouais, je suis bête. Faut utiliser les ciseaux ici. On les récupère pas en fait. C'est vrai que j'avais pas pensé ça. Ah, j'ai coupé les pattes. Ah, en plus il saigne. Ok. Le pire c'est que ça m'a fait peur. Ça m'a foutu la trouille. Allez, je m'attends. Ça fout la trouille. Vous enfoncez le tronc de la peluche dans le palier. Vous entendez le déclic d'une serrure. Ah, c'est peut-être là où il y a la cuisine. Vous avez vu ce que j'ai vu, que j'ai pas vu, que je veux pas savoir. Ah.
Oh là là. Ah, ça réussit, j'ai réussi. Ah, le jeu réussit à me faire peur. C'est un jeu en 2D en plus. Ok. On peut partir? Du coup, c'est quoi là? Ah, il va falloir passer, c'est ça? Ah, peut-être il va falloir courir. Ah non. Ah, il fallait s'enfuir en fait. Oh, j'ai réussi à avoir peur. Des mains de l'ours gisent au sol, les prendre. La porte est ouverte. Oh, le jeu a réussi à me faire peur. Ah, oui. J'ai pas fait exprès. Tester la soupe. Hein? Teste la soupe. Non, pas envie de tester la soupe. Moi. C'est quoi ça là-haut? Ah, des bouteilles de vin dans un étage. Une grande cheminée. Ah, on peut regarder à l'intérieur. Rien de, que de la suie. Ok. Ah, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Tester la soupe. Bon, écoutez. Soupe de couleur étrange dans un bol en forme de crâne. On va mourir, vraiment. Oui, oui, vas-y, vas-y. Elle va mourir. Viola est empoisonnée. Vous entendez le déclic d'une serrure. Ah, mais il fallait le faire. Ah, quelle horreur. Ah, c'est top. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Le cuisinier est débordé. Un coup de main. Un coup de main, voilà, j'arrive plus à lire. Un coup de main serait le bienvenu. Ah, c'est trop bien ce jeu. Ah, il est trop bien ce jeu. Ah, il y a une porte. Ah, tu m'as fait peur, arrête de sortir de nulle part. Bah, si tu crois que je me fais pas peur seul. Ah, c'est trop bien ce jeu. En plus, il a pas l'air compliqué. Il faudra que je vois combien de temps il dure. Attendez. Il y a des bestioles par terre, je veux pas savoir. Ah, c'est ça. Un livre intitulé Dîner avec les nobles. Lire. Autrefois, les membres des classes dirigeantes et aisées aimaient se servir des couverts en argent. Utiliser des ustensiles si précieux était un moyen de montrer au monde leur aisance financière. De plus, l'argent change de couleur au contact du poison. Hein. Il permettait donc aussi d'éviter toute tentative d'empoisonnement. Ah oui! D'accord. C'est un peu des couverts dans la manette. Voilà. Et là, c'est quoi? Un couteau qui te coupe tout seul? Ah! C'est un cuisinier! Aïe aïe. Aïe aïe aïe, je sais pas ce qui va se passer. Ah. Ah, c'est ça un coup de main. Oh, c'est horrible. Bon, du coup, on va pas parler au monsieur. Eh, au revoir. Ah, mais la clé est fermée. Ah. On va rouler quand même, je passe. Donc il y a un truc à faire avec la soupe pour débloquer le... Mais il faut trouver peut-être l'antipoison. Et lui, c'est juste ça à faire. Non, non, rien faire. Je me casse. Et là, c'est quoi que t'as? Une plaque rouillée. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver peut-être l'antipoison. Ah, pour ça, il y a plusieurs fois. Il doit y avoir un antipoison quelque part, mais où? Ah, c'est pas l'histoire de l'ours là qu'il faut dire. Vous avez l'impression qu'il a bougé. Qu'il a bougé. Mais il a. C'est pas une impression. Hein. On sait pas qu'on est un voisin. Ah, j'ai pas envie de remettre les. Ah, attendez, un truc. On sait jamais. Objet. Non. Ça, on retombe ici. Le problème, c'est que si je goûte la soupe, je vais décéder. On est d'accord, hein. Bah vas-y, de toute façon. Ouais, c'est ça, je suis empoisonné, je vais décéder. Enfin, ça change pas. Faut trouver un antipoison, je pense. Eh ouais.
Ah la pauvre. Désolé, fillette. Bon, alors du coup. Et ouais, parce qu'on doit débloquer ça, à mon avis. Oui. Mais le problème, c'est que je sais pas comment on fait. Pareil, lui, il va me couper la main, donc c'est pas la peine. Ah, c'est une mille souffrances, ce jeu. Et là, c'est quoi, là? Pourquoi il y a. Ah, attendez, là. Non? Non, le bas, c'est renversé. On peut en ressortir, on est d'accord. Hein. Ah, je ne trouve pas, ouais, c'est pas ce que je pensais. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un truc à faire, je sais pas quoi. Là, c'est quoi? Ah, merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour débloquer la situation? Je sais pas s'il y a les pattes d'ours. On peut utiliser les pattes d'ours dessus? Teste la soupe. Ouais, mais je vais pas tester, je vais mourir. On peut pas bouger notre chaîne. Ah, j'ai déjà rodé, on peut plus. Ah! Je suis con. Est-ce qu'on peut faire ça? Ah, donner les pattes d'ours. Ah, merci bien. Je suis justement à court de mai. Tiens, cadeau. Retenu une clé d'argent. Ah, cool. Non. On se trompe pas. Ah! En plus, j'ai marché juste avec claque. Oh! Histoire de sous. Ah oui. Plonger la clé. Ah ouais, mais trop bien ce jeu. Ah je. Alors que non, heureusement que c'est en français. Parce que, ah bah, pas en français, c'est même pas la peine. Hein. Je sais pas si c'était en français quand je l'ai eu, tu vois. Il me semble pas. C'est pour ça que je l'ai jamais fait d'ailleurs. La clé de mémoire dans la soupe. Vous entendez des clics d'une serrure. Ah ouais. Et là du coup je cliquer. Hop. On va sauvegarder. Bon, on va pas regarder des trucs qui bougent tout seul. Ah, le cuisinier s'est barré. Alors. Oh! Il y a une petite fille qui nous suit. Ah le pire c'est qu'il m'arrive à me faire peur au jeu. C'est trop bien pour un jeu à 2D. Ah, il est là, le chacha. Oh là là, il y a plein de portes par contre. Ah, par contre, moi j'ai du soleil chez moi, il faudrait que je ferme les rideaux parce que c'est un peu sombre. Après, c'est normal hein, que le jeu soit sombre. Alors, l'araignée ne distingue pas les couleurs. Mais c'est bien, il y a plein d'indices et tout qui sont vachement bien. Une vieille étagère couverte de toiles d'araignée, rien n'attire votre attention. Ah, un papillon. Papillon doré est pris dans la toile. C'est un papillon. Ah, lui, par contre, c'est bizarre. Il y a une corde dans le baril. La prendre. Ok. Ah, ben là, du coup, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste qu'on bouge. Ok. Ça c'est la cave. Cave, super. Ah putain de ta mère. Ah les enfoirés. Mais faire quoi du coup? Ah, distingue pas les couleurs. Distingue pas les couleurs. Oh, mais d'accord, mais je suis quoi? Ah, mais j'ai pas de. J'ai quoi comme objet? Une corde? Il en fait quoi? Ah merde, je vais être bloqué là. Ah mais comment je vais faire moi pour m'échapper si je comprends pas le délire? Attends, objet, corde. Non ça marche pas. Merde.
Oh, c'est bon, hein. Ah, il fallait pas prendre l'araignée. Là, les papillons. Oh, les enfoirés, comme ils m'ont fait peur. Oh, j'aime pas ça. Lui, il va me sauter dessus aussi. Oh, mais c'est trop bien. Ah, mais les papillons, c'est vrai, il faut les mettre, regardez. Quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un qui veut me faire peur? Un tableau d'un chat jouant. Une culotte de laine. Il y a un répit de papillon. Hein, ne pas le prendre pour l'instant. Crâne humain sous la vitrine. Ah, super. Ah, il y a un livre à remettre là. Un livre. Il manque un des livres. Une peinture d'une femme avec une ombrelle au bord d'une rivière. Bon, les papillons, on les prendra plus tard. On va déjà voir où il faut les mettre. Ah, j'aime pas, il y a le truc qui va me sauter dessus. Sauve le papillon. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon. Ah, il y a toujours une histoire de livre, je me rends compte, c'est marrant. Intitulé. Lire. Les portes ne se trouvent pas avec des clés, quelque chose d'autre doit servir de clé. Ah oui, j'avais compris, là. Lire. La maison change grâce au pouvoir de la sorcière. Ok. Attendez, on va lire les autres trucs. Il y a un article de journal découpé dedans. Lire. Un incendie à la résidence des Ien. Les restes de Ien ainsi que son épouse Ien ont été découverts dans les décombres. Des marques de blessures pas énormes. Des marques de blessures pas armes tranchantes sur les cadavres mènent à penser qu'ils ont été assassinés avant le départ de l'incendie. De plus, la fille unique des victimes, elle a 27 ans et pourtant disparue depuis. Ah, c'est celle qu'on a vue, je pense. Histoire drôle. Alors, ça pue ça. C'est une fois un homme très riche transportant un trésor dans une charrette. Sa charrette se brisa dans la forêt. Mais c'est alors qu'ils passèrent par. Que passèrent par là un chasseur et son chien. L'homme riche demanda au chasseur de veiller sur sa charrette pour lui. Le chasseur accepta. Donc le trésor, pendant que l'homme riche partit chercher une nouvelle charrette. Néanmoins, la nuit finit par tomber. Et le chasseur commença à se faire du souci pour sa vieille mère seule à la maison. Le chasseur donna alors à son chien de veiller sur la charrette, tandis qu'il rentrait s'occuper de sa mère. C'est quoi l'histoire drôle? Lorsque l'homme riche revint, il trouva le chien gardant son trésor. Il lui donna alors en récompense pour son maître une pièce d'argent à lui emmener dans sa bouche. Le chien courut jusque chez son maître, lui apporta la pièce d'argent. Voyant cela, le chien... Hurla sur le chien furieux, je te dis de surveiller ta charrette et alors tu envoles une pièce d'argent et je sors tu as le chien. C'est vachement une histoire drôle quoi. Ouais, d'accord, la chaise c'est rigolo. What the hell? Mais le pire c'est qu'il arrive à me faire peur. Mort de rire. Le jeu il arrive à me faire peur. Une saga animalière pour enfants. Un livre sur les plantes. Et... Il y a une personne. Ah merde. Parlez. Je n'en finis pas de ranger ces livres. Si seulement j'avais une corde. Ah. Oh là là, je sais pas quoi ce qui va m'arriver, mais. Ah non. Tenue des morts. Ok. Ah ça. Il y a le mec qui. Il y a l'armure qui m'a. Le jeu arrive à me faire peur. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah lire, j'ai pas vu. Je vais pas le lire au bon endroit, je pense. Oh merde! Ah la pauvre, ah c'est horrible. Ah les morts horribles. Oh là là. Ah on peut pas le ranger là. Ah. Ah.
Je vais faire pour Halloween celui-là. Alors là, je m'attendais pas à ça. Je vais même, vous voyez, je vais pas, je sais pas combien de temps je vais faire, mais je vais même faire une petite critique, même si je le finirai pas, je pense pas. Waouh, mais c'est la vitrine du machin qui s'ébat du crâne. Il y a un truc qui s'est ouvert, mais je sais pas ce que c'est. Sauf le papillon, oui, mais je. Ah là, c'est refermé la porte. Mais arrête d'essayer de l'ouvrir. Ah. Ah, il me reste plus qu'à sauver les papillons. Mais le problème, c'est que je peux pas le faire. Donc, il y a un truc à faire ici. Bah, j'imagine. Parce que... Ah, bah si. Ah, bah oui. Je suis con. J'ai compris. Je pensais qu'il va récupérer plusieurs papillons. Mais non. Pourquoi c'est chiant le système là? Parce qu'on. Ça fait pas dans le bon sens. Bah, tu mourras pas l'araignée, je te le dis. Un répit de papillon. Je sais pas, ça a marché. Oh l'enfoiré de ce petit pas. Papillon s'est envolé de votre main et a traversé le mur. Vous entendez les clics d'une serrure. Ah, y a plus le chat. Ah non, mais c'est pas celle-là dessus, bon, je veux pas là. Ah, ouais, c'est là que je veux. Minou, minou? Minou, minou, minou? Oh là là, c'est quoi cette maison? Ah, il est là. Oh! Ouais, bah tu aurais pu rester là-haut, ouais, j'aurais pu se regarder. Encore, c'est bien facile. Franchement, c'est trop top ce qu'il a fait le gars, d'avoir laissé le choix. Bah, les kills rouges, à mon avis, c'est ce que c'est. Ah! Cours, cours, cours. Merde! Alors, attendez, parce qu'il va falloir faire un style de. Allez, cours. Merde! Ouh, ça va être chaud ce passage. Sinon, je vais arrêter là parce que pour l'instant, parce que j'ai pas spécialement envie de continuer parce qu'il fait peur. Ah, mais il est top, par contre. Merde! Il faut que je calcule le moment en fait. Alors en plus, moi qui ai pas de réflexe. Mais elle va trop vite dans l'angle là. En fait, il faudrait pas que je cours en fait. Voilà. Il fallait pas que je cours. Ah, le chat est là. Oh, c'est bien. Franchement, le gars, il est très bien ce qu'il a fait. Franchement. Là, ça donne envie de jouer là. C'est pas handicapant. C'est ça qui est cool. C'est juste rigolo parce que tu sais pas quand tu vas mourir. Il y a une grenouille là. J'ai peur de la grenouille moi. Ah quoi? Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, la grenouille vous a rejoint. Ah bon? Ah, tu aimes les grenouilles? Je sais pas, non, mais c'est quoi que ça va se passer quoi? Et là, c'est toujours bloqué. Ok. Et là on fait quoi alors du coup? On met un objet grenouille. Faire traverser la grenouille. Ah cool! Ah génial! D'accord. Oh putain la fille elle m'a fait peur. Oh, la fille elle m'a foutu la trouille. Wouah, le jeu. Ah, il est ouf ce jeu. Je comprends pourquoi il est extrêmement positif. Une grande peinture, il y a un interrupteur dessus. Bah, appuie, vas-y. Ah, ça fait une vague. C'est rigolo ça. C'est quoi ça? Un gâteau à la fraise est fixé à la table. D'accord. Bon, il est fixé. Les couverts sont posés symétriquement. Il y a une part de gâteau trop. De trop. Prendre le gâteau. Ah, attendez. Sont pas compliqués les énigmes pour l'instant ça. Oh, y a la grenouille, il y en a une là encore. Ou c'est la même. Ah, génial, c'est pas mal. Et la grenouille. Ouh, un peluche. Ah, c'est une grenouille un peluche.
sais pas trop, il y a une histoire avec le gâteau à mon avis. Ah, c'est fermé à la clé. Ah, attendez. J'imagine, et là il faut déposer la grenouille. Donc il y a un truc qui est différent, qui manque là. Ah, il manque la plante. Merde, le pot de feu est fixé au sol. Le pot de fleurs est fixé au sol. Et j'ai pas spécialement de truc pour casser là. Et là il y a quoi? Sans fixer. Ah, réarranger. Attendez. C'est pas bon ça. Ah, crois... ah non, c'est pas ça. Ah, comme ça. Non, même pas. Pas compris là. Ah, c'est comme ça. Voilà, c'est pas mal. Là, ça passe, mais c'est ça que je sais pas comment faire. Le pot est fixé au sol. Bah ouais, je sais pas comment on fait pour le casser. Petit chat, tu peux pas m'aider? Ouais, il y a les gros, on va rien faire d'autre. Là, c'est pour passer le passage. Et j'ai tout mis, mais il manque. Attendez, et celui-là? Ah, mais je suis con. En fait, c'est celui-là qu'il fallait bouger. Je sais pas pourquoi je voulais pas bouger celui-là. Pas marché. Ah, et là-haut faut trouver le bon truc en fait. C'est ça. Bah c'est pas ça. Ah ouais, mais moi aussi mange une rose. Pourquoi ils ont acheté une rose? Il était pas tout à l'heure la rose. Attendez, il y a une rose qui était pas à terre. En tout cas, je me rappelle pas. Ou alors, il était, je me rappelle plus. Il y a une rose sur la table. La frame. Et alors? Il y a un truc qui va pas. Ah, pourtant, tout est bien rangé. Hein. Le gâteau, le. La grenouille. Arrange le miroir. Ah oui, c'est ça. Ça c'est arrangé. Le gâteau il est au bon endroit, les fleurs sont au bon endroit. Qu'est-ce qu'il manque là? Ah, ça peut-être. En fait, c'est vrai ça, pourquoi il est comme ça celui-là d'ailleurs? Oui, il y a la queue là. Attendez. On peut pas la remettre. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose que j'ai pas fait de bien fait. Ok. Ah! Bon, c'est bon? Compliqué le monsieur. Je vais pas me faire un coup. Ah, il y a 10 roses. Laissez. Il y a 10 roses, c'est bon? Ouais. Ils ont été fixés. Bah là c'est bon, non? Ouais, c'est pareil. Alors est-ce que c'est le tableau? Oh bah après je sais pas moi.
peut avoir que des trucs comme ça en fait. Il faut vraiment trouver le bon truc là. Ah, c'est peut-être que celui-là. Hein. Ah bah c'est ça. Bah oui, c'est à l'envers de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a là? Le gâteau, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Le gâteau, son, il est... Ah, peut-être pas au bon endroit. Il y a un truc qui est mal positionné, mais je sais pas quoi. Bah la grenouille est là au bon endroit. Ouais, c'est dur, difficile de savoir dans le miroir là. C'est à l'envers de toute façon, ça peut être que ça. Le part de gâteau. Est-ce que la part des gâteaux est au bon endroit? Bah oui. Oui, il est au bon endroit la part des gâteaux là. Ouais. Bah je sais pas. Il y a un truc que je vois pas dans mon... Là. Ah non, ça sert à rien ça. J'avais bien trouvé en plus. Bah ouais, c'est comme ça. Ah non, il y a un truc rouge qui est pas au bon endroit. Ah si, si, c'est au bon endroit. Donc il y a un truc qui va pour la grenouille. Ici. Rose. Il y a un truc que je comprends pas là. Dommage parce que j'ai bien avancé. Ouais, le tableau tout est bon. Mais à moins qu'il faudra lire le truc, le papier là. Arrange le miroir. Ah oui, je suis con, il faut arracher le papier. Bah oui, je suis bête. Je suis naze moi. On peut reprendre la grenouille ou pas? On va voir. Ah oui, c'était logique, vous me direz, je suis con. Mais c'est pas mal fait, franchement. Après, la prochaine porte, ne détourne pas le regard. Ah, super. Lire. Mon père et ma mère, même eux, ne m'aimaient pas. Alors, je les ai... X. J'ai toujours été dans cette maison depuis lors. D'accord. Alors, ne détourne pas le regard. Tu veux dire quoi? Ah ouais. Ah! Ah oui, il a dit détourne pas le regard. Bon, ben. Ne détourne pas le regard. Bon, ok. Ah ouais, si tu détournes pas les couteaux, il n'y a rien qui te tue. Ok. Il a faim. Ah, super. Qui? Qui que doit qu'on vous? Ah non! Aïe aïe. Ah. Il posait l'oreille. Quelque chose de lourd rampé au sol. Ouais. Showcase. Oula. Bah vas-y, de toute façon. Donc on a pas trop le choix. Bah non, on avait le choix. Mais vous savez quoi, je vais arrêter là. Oh, franchement, il est top. En plus, il arrive à me faire peur. Bah, franchement, il est topissimo. En plus, j'aime bien le système. Voilà, le système, il a mis. Au moins, on peut jouer facile si on n'a pas envie d'avoir trop de challenge. Et ça, c'est cool. C'est ça qu'il devrait faire tous les jeux maintenant. C'est plus comme avant où on avait le temps de. Quand on est jeune, on a le temps de prendre le temps, on va dire. Mais quand on est vieux, on a moins de temps. Donc, du coup, il faudrait qu'on nous laisse le choix de pouvoir jouer comme on a envie. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit vraiment plaisant. En plus, il fait flipper. Donc. C'est marrant. Voilà, je vous dis à plus et à la prochaine aventure sur votre jeu très très différent. Et celui-ci est une très bonne surprise. À plus.